côté de la fermeture, on lâche le frein, on vient attraper deux suspentes avant sur trois, tout en bas des suspentes au contact des petits maillons, et on tire un grand coup sec, on accroche sa main en bas de l'élévateur, et pour l'instant, on se laisse pas tourner. Accroche-toi bien la main, le plus bas possible, fais bien ripper les suspentes sur le tranchant de la main, on se tient solidement, il n'y a pas moyen qu'elle ouvre. Si t'es prêt, eh ben on débranche le cerveau et on se jette lamentablement à droite, bravo à l'extérieur, on laisse tourner. Reste bien penché, pas de frein à l'extérieur, elle y va, ça va faire un peu bizarre, elle bascule. Laisse tourner, laisse tourner, laisse tourner, laisse tourner. Voilà, l'autorotation stabilisée, tu vois là, voilà l'envers, côté fermé en haut, on peut surveiller latéraux. Allez, on s'en sort. De la sellette à gauche, du frein, ouais, le vent revient, doucement sorti sur le frein, on vole droit, on stabilise notre cap. Ok, joli coup, on réouvre la voile et on va se mettre face au décollage. Perçage bras ou marche arrière très vite. Allez, perçage bras ou marche arrière. Ouais, joli coup. Maintiens ici. Ouais, maintiens. Alors, on a une porte. Ok, un peu plus bas les mains. Ok. Ouais, un petit peu plus haut, peut-être finalement. Un petit peu plus haut les mains. Encore un peu plus haut. Alors, on a une porte, on la prend. Alors, attention, au bout d'un moment, il faut prendre les portes. Tempo. Bras haut. Ouais, au bout d'un moment, il faut prendre les portes. Hein, si on veut pas se faire secouer dans tous les sens, quand on a une porte, je dis porte. Et que ce que tu vas faire, bravo, marche arrière, ok, allez, regarde là, elle est belle, regarde où sont tes mains, ça c'est nickel, allez, on lâche, on défait sur le frein, bravo, tempo, bravo, ouais, super, et on va s'en tenir là, eh ben écoute, félicitations, là, à la fin, j'espère que t'as juste eu le temps de regarder où étaient tes mains. Thank you.